Binotto, persiste et signe. J'ai eu une très bonne équipe pour la stratégie. En Hongrie, donc hein, évidemment, il parle de la Hongrie encore. En fait, il vient dans le déni total, ce mec. C'est un peu comme Ricardo, mais là, sauf que c'est un directeur d'écurie, c'est encore pire. Tout ne peut jamais être parfait. Je pense qu'il est toujours possible de progresser. Il n'y a pas de doute sur le fait que nous devons nous améliorer sur plusieurs points, l'aéro, le châssis, le groupe propulseur ou la stratégie. Cependant, je pense que j'ai eu une très bonne équipe pour la stratégie. Je ne sens pas que c'est une faiblesse. A-t-il déclaré donc ce jeudi à Motorsport. Ferrari se s'est pourtant attendu au tournant et aura à cœur de reprendre sa marche en avant fin août pour la reprise de la F1 dans un peu plus de 2 semaines donc à Spa. Non, il peut pas honnêtement dire que tout allait bien niveau stratégie en Hongrie. Enfin, à un moment donné, je veux bien que tu défendes tes hommes, tes employés, mais là non. Faire l'autruche comme ça n'aide pas et ne pas reconnaître ses erreurs, c'est pas ça qui va les remettre dans le droit chemin, j'ai envie de dire. Donc pour moi, c'est une erreur stratégique à ce qu'il fait Binotto là, actuellement. Allez, je vous laisse me donner votre avis, ciao.